une plateforme pour des artistes de tout, bord que d'avoir un festival. Quand on va dans les villes, dans le monde, les festivals permettent de nourrir un peu, je ne dis pas les artistes, mais de nourrir un peu les activités de ces structures-là. Madame qui est là-bas, Madame Dien qui est là-bas, à mon avis, elle vous dira les retombées aujourd'hui du festival de Genève, hein, le festival, il y a de grands festivals là-bas, le festival, partout dans le monde, vous avez des grands festivals, hein, de Saint-Louis, le festival de jazz est devenu une institution. Hein. On ne peut pas aujourd'hui ne pas tenir en compte ce festival-là. J'avais attaqué le maire, le festival du rire de Kaolack, je l'ai accompagné. Parce que j'estime qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Aujourd'hui, le festival de Thiès, et je l'ai dit hier dans mon discours, c'est étonnant qu'une ville qui regorge d'artistes, de talents, dans tous les bords, depuis l'indépendance, les papes bretons, tout ça, ça c'est du bon principe. Les artistes comédiens, aujourd'hui, vous captez votre télévision sur toutes les télé-novelas qui ont été poussées. Et aujourd'hui, c'est les films sénégalais qui le ont en place. Et 90% des visages que vous verrez, si vous voulez jouer à la loterie, ne vous trompez pas. Misez, je vois Diamé qui sourit là-bas, misez et vous êtes sûr de tomber sur un visage qui est sorti. Sur 4 artistes que vous prendrez, les 3 sont prêtés et qui est sorti. Donc ça montre que c'est une zone d'expression artistique et culturelle extrêmement importante. Et on a attendu un peu trop tard pour commencer un festival, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant qu'on a commencé seulement, en tout cas, nous vous félicitons pour tout ce qui est en train d'être fait, avec ce bouillonnement qu'on a senti dans la ville. Bon, on espère, on sait que votre engagement fera que ce festival ira de l'avant. Et aujourd'hui, tendre un pont avec les manufactures dont je suis membre du conseil d'administration est une excellente chose. Parce que nous pensons qu'il faudrait, nous venons de célébrer les 50 ans des manifestations l'année dernière. On a eu des manifestations, pour être correct, qui ont eu un succès mitigé. Dans certains domaines, on a eu beaucoup de succès, dans d'autres domaines, on a eu des succès un peu relatifs. Si ça avait commencé avec une année où il y a le festival, ça aurait été une bonne opportunité de mettre encore davantage en valeur cela. Donc je veux dire que c'est que l'opportunité que vous avez offert aux manufactures en l'intégrant dans ce programme est une opportunité, une main tendue à tous ces artistes et à cette plateforme que sont les manufactures. Je termine en disant que les manufactures sénégalaises et les innovatifs, je le dis à chaque fois que je dis aux gens, je le dis que c'est une institution, pas pour les questions, c'est une institution pour le Sénégal. Aujourd'hui, de la même manière que vous allez dans beaucoup de pays, il y a des institutions dans des domaines bien précis. Les uns c'est dans l'art, les autres c'est dans la culture, les autres c'est dans l'automobile, les autres c'est dans l'industrie, les autres c'est dans la littérature. Aujourd'hui, les manufactures c'est une institution au Sénégal, n'est-ce pas Michel Zain? Et aider les manufactures, et aider ceux qui sont dans les manufactures à aller de l'avant, c'est véritablement aider l'ensemble des structures qui y vivent et c'est contribuer à la promotion de la région de Thiès, de la ville de Thiès, mais aussi à la région du Sénégal, au Sénégal lui-même, et pour ne pas dire donc à tous ceux qui sont soucieux de ce qui a été fait par les précurseurs. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est pas le temps que je le dis en Wolof, tout le monde ici est supposé parler le français, n'est-ce pas? Bon.